Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Voici une façon très simple de réaliser les petits cailloux pour un résultat croquant et croustillant à la fois. Pour 700 g de farine de blé, nous allons utiliser une cuillerée à café de sel, une cuillerée à soupe à ras de levure chimique, l'équivalent d'une cuillerée à café de noix de muscade râpée, 2 sachets de sucre vanillé de 7,5 g chacun, 2 gros œufs, 200 g de sucre en poudre, 100 g de beurre mou et 150 ml de lait entier. Prévois un peu de farine supplémentaire pour le plan de travail et de l'huile d'arachide pour la friture. Dans un bol, renversez le lait. Ajoutez le sucre en poudre, les sucres vanillés et les œufs. Fouettez le tout. Réservez. Ajoutez le sel et la levure chimique à la farine de blé. Râpez l'équivalent d'une cuillerée à café de noix de muscade sur la farine. Mélangez. Ajoutez le beurre. Sablez l'ensemble. Ajoutez petit à petit l'appareil réservé. Malassez bien. Formez une boule. La laissez reposer 30 minutes. Après ce temps de repos, farinez légèrement un plan de travail et y pétrissez la pâte. Roulez de petites portions de la pâte en bâtonnets. Coupez-les ensuite en petits morceaux à l'aide d'un ciseau. Les farinez légèrement. Chauffez de l'huile d'arachide dans une poêle sur feu moyen doux. Vérifiez la température de l'huile en y plongeant un morceau de pâte. Dès que la pâte remonte à la surface de l'huile, alors on peut commencer la friture. Frire les petits cailloux sur feu moyen doux en les retournant de temps en temps.
Lorsqu'ils prennent une belle coloration, les égoutter. Les laisser complètement refroidir avant de les déguster. Bonne dégustation. C'est tout pour la recette. Merci de l'avoir suivie. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si vous l'avez apprécié. Prenez soin de vous. À bientôt.